Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami PK Eagle et aujourd'hui les amis, on se retrouve ensemble pour une vidéo unboxing de ce mini clavier qui vient tout simplement de mon partenaire Banggood. Encore une fois, merci à vous de m'avoir envoyé ce produit. J'avais très hâte de le recevoir. Pourquoi ? Il va me servir donc dans mon setup simulateur de course et je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais tout d'abord, déballons ce produit et présentation de ce produit immédiatement. Voici à quoi ressemble le clavier. Donc voilà, c'est un clavier avec une partie tactile, donc il fait aussi souris, et une partie donc clavier où les touches sont plutôt sympas au toucher. Donc c'est sans fil, donc vous avez ici le USB qui est super bien intégré en fait. Du coup, moi je me suis dit, franchement, bien joué. Hop, voilà, vous branchez ça et normalement, en un coup, ça fonctionne. Je vais le faire tout à l'heure. Et donc, ce qui est dommage, donc là, les claviers sont tout simplement, c'est pas AZERTY, quoi. Je suis un peu déçu à ce niveau-là. Je m'attendais à qu'ils soient AZERTY, mais bon, ça va pas me gêner plus que ça parce que ça va me servir sur mon simulateur juste pour activer l'enregistrement ou naviguer rapidement dans le menu et appuyer sur Entrée. Voilà, hein, pas plus. Je voulais vraiment un petit clavier. Au niveau de la taille, je peux le comparer, hein, donc je vais faire un chronomètre déjà pour voir. Donc il fait 15 cm en longueur et à peu près 6 cm allez en hauteur, et si je mets mon smartphone il fait exactement limite la même taille quoi, un petit peu plus grand, mais vous imaginez, c'est une télécommande qu'on peut mettre dans la poche, plutôt sympa. Et là je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai pris un mini clavier. On se retrouve tout de suite. Et donc là les amis, on se retrouve sur mon setup. Donc vous voyez, autour fond vert. Pas de clavier à l'horizon, pas de grand clavier, à part celui-là. Voilà, je viens de brancher le port USB. Sur le port USB, mon USB clavier sans fil, reconnu immédiatement. On va voir ça tout de suite, hein, comme je vous dis. J'appuie sur On, ok. Une petite LED clignote ici. Je bouge le petit pavé numérique ici. Ah, voilà, ça bouge, c'est parfait. Aucun problème, pas besoin de driver, quoi que ce soit. Il le reconnaît tout de suite. Alors, je vais essayer de voir, taper bloc-notes pour voir, bon... C'est un clavier pas AZERTY, du coup je suis pas trop habitué. Il y a un petit temps d'adaptation comme toujours, mais voilà, ça me permet. Je vais vous montrer que ça fonctionne très bien. Hein. Voilà, PK Eagle, tac tac tac. Mince, je suis trompé, sérieux? Attendez, effacer, voilà. Ah, ah, ça pose problème. Alors comment je fais pour le changer en... mais en tout cas voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai oublié comment convertir AZERTY en dans le sens inverse, mais bon voilà, le clavier fonctionne, hein. Donc il y a aucun souci à se faire à ce niveau là donc il faudra juste, c'est une sur le grand clavier, il faudra juste faire une manip pour que je bascule dans l'autre mode. Mais voilà, il est en AZERTY en fait, mais du coup les touches ne correspondent pas. Donc voilà, c'est pas plus mal que ça parce que ben il me sert juste à lancer les enregistrements de gameplay. Donc ici voilà, c'est petit, c'est confortable, je peux le poser ici, voilà, je joue direct, je le reprends, hop, je manipule une petite télécommande. C'est vrai que là au niveau des sensations des claviers, c'est vrai que d'habitude j'ai pas besoin de regarder. Là il y aura un petit temps d'adaptation, mais ça va aller plutôt rapidement à ce niveau là, je m'en fais pas. Donc là vous avez le clic gauche, vous avez le clic droit, vous pouvez recharger votre mini clavier par ce port là. Donc voilà, après il suffit d'avoir le câble qu'il faut et normalement aucun problème à se faire. J'espère qu'en autonomie ça tient pas mal, parce que si je l'oublie de l'éteindre, je sais pas trop si c'est embêtant. Bon après voilà, un petit clic et puis c'est reparti, à part s'il a un système de mise en veille automatique, ça peut être pas mal. Mais voilà, ce mini clavier me sert vraiment pour circuler dans le menu, par exemple de Dirt Rally, Project Car, vraiment pour les menus, hein. Franchement, c'est ça que je voulais, et de pas avoir un gros pavé là, à chaque fois le mettre sur mes jambes, et du coup taper, rouler, essayer, reposer le clavier, remonter le clavier, combien de fois il a fait de chute. Avec ça, je suis tranquille, je vais mettre un scratch ici, c'est déjà prévu dans cette partie-là, et je vais juste le scratcher là, voilà, comme ça. Et ça sera nickel, aucun problème. Voilà, vite fait, on scratch, on recratch, aucun problème. Voilà, mini clavier sympathique.
Bon les amis, donc simulateur SimRacer, n'hésitez pas à acheter ce clavier si vous avez un simulateur et pas de support clavier, ou vous savez pas où le mettre, et à chaque fois c'est chiant avec le fil qui déborde. Moi surtout, voilà, je peux plus trop le faire avec le support clavier. Pourquoi ? À cause du fond vert, je peux pas le mettre parce qu'il va apparaître dans le jeu. Et le seul moyen, c'était de me poser au sol. Et donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement de demander à mon partenaire de m'envoyer ce mini clavier plutôt sympa. Donc, le prix, je vous le mettrai dans la description. Il s'affichera ici. Et franchement, un clavier super sympa. Donc, n'hésitez pas à sauter dessus parce que voilà, c'est pas trop cher. C'est pas un clavier gamer, hein, les amis. C'est vraiment pour aller dans les menus, taper quelques lettres, taper le mot de passe pour rentrer sur votre PC. Normalement, ce type de télécommande, on le prend pour l'adapter à une télé ou à une petite tablette pour écrire rapidement. Ou pour naviguer, pour mettre play, pause, voilà, c'est plus pour la bonne distance, hein, 2 mètres. Mais là, voilà, je m'en sers comme un navigateur menu dans les jeux. Voilà les amis, j'espère que j'ai assez détaillé tout ça. Bon, ça reste un clavier, hein, après je peux pas dire plus. Puis j'espère que la vidéo vous a plu tout simplement. N'hésitez pas donc à vous abonner, hein, pour suivre les vidéos unboxing, les essais de voiture, les montages fond vert, n'hésitez pas. Et n'oublie pas de lâcher un beau pouce bleu. Et surtout rajoutez-moi sur Instagram parce que je publie beaucoup de choses, souvent des choses que je dis, que j'annonce, avec qui je vais travailler, avec quel partenaire, quelle marque, quelle concession, quelle voiture. Souvent, vous pouvez savoir d'avance si vous me rajoutez sur Instagram. Et puis voilà les amis, donc moi je vous dis juste, peace and game.